Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Zambo Anguissa. C'est vrai que je l'ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui, nous allons essayer de creuser la plaie. J'ai l'impression que Zambo Anguissa veut envoyer un message à Rigobert son suite à ta performance face à l'équipe de Liverpool en Champions League. Qu'à cela ne tienne, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour tous ceux-là qui sont nouveaux, le concept est vraiment très très simple. Si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu partages, tu actives la cloche de notification. Et après avoir regardé cette vidéo, tu me donnes ton avis dans l'espace commentaire. Comme je disais tantôt, nous allons essayer de creuser la plaie en ce qui concerne le cas de Zambo Anguissa. Là, nous venons de visionner les performances XXL de Zambo Anguissa. Je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos, vraiment, et beaucoup d'entre vous le savent déjà, que j'ai l'impression que quand Zambo Anguissa joue à Naples, c'est Zambo. Et quand il est au Cameroun, c'est Anguissa. Donc, ça veut dire quoi? La photocopie. Ça veut dire que quoi? Naples nous envoie juste la photocopie de Zambo Anguissa au pays. Maintenant, nous allons essayer de creuser la plaie en profondeur. Nous allons ici comparer les générations, d'où la non-assistance de Zambo Anguissa sur la précession faite par Rigobertson. Je vais d'abord être sincère avec vous. Je vais vous dire que Zambo Anguissa est vraiment d'abord très très important pour nous au Qatar. Je ne vais pas vous mentir ici. Je ne vais pas vous mentir. Il est vraiment très, très important. Je ne sais pas si c'est une stratégie mise sur pied par Rigobertson. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, ou bien alors, c'est le temps de repos que Rigobertson attribue à Zambo Anguissa pour qu'il ne joue pas ses matchs de préparation. Je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est l'une des choses qu'il faudrait comprendre, qu'il est vraiment important qu'il joue au Qatar. Maintenant, nous allons essayer de comparer les générations. Quand je parle des générations, je vais me fixer généralement en 2014 et cette génération 2022. Je ne vais pas parler de la génération 2017 qui a remporté la dernière CAN au Gabon, bien évidemment, pour la seule raison que beaucoup d'entre vous n'avaient plus encore le goût, l'espoir, n'étaient plus enthousiasmés à ce que le Cameroun rapporte encore une fois de plus cette fameuse coupe. C'est grâce aux filles que nous avons eu encore cet engouement, cet esprit de vouloir revoir nos lions indomptables jouer encore au football. Revenons maintenant à ce qui concerne les générations. En 2014,
quel joueur nous avions en 2014 au milieu de terrain? Alessandro Son. Aujourd'hui, nous connaissons où se trouve Alessandro Son. Si Zambo Anguissa fait la même erreur, laissez-moi vous dire qu'on ne va plus en parler de lui. Les gens de Makoun avaient... Jean de Makoun, heureusement que lui, pour lui, il n'était pas vraiment orgueilleux. Maintenant, à cette époque, en 2014, c'est vrai qu'on ne suivait pas tant le match avec enthousiasme. On ne parlait pas de tactique, on ne parlait pas d'avant-centre. Nous, on était vraiment passionnés par le bon football. Aujourd'hui, quand nous avons pris en maturité, nous pouvons parler du plan offensif, du plan défensif. Nous pouvons parler des relances, des récupérations. Bref, je ne vais pas parler de cette vidéo. Je vais juste essayer ici-là de comparer les générations en 2014. Face à cette génération-ci, tout le monde était vraiment très, très bon et très, très pertinent. En 2022-ci, cette génération que nous avons, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont vraiment au top des tops. Mais en 2014-ci, tous ces joueurs étaient vraiment pertinents du banc de touche aux 11 entrants. Mais est-ce que cela a suffi que nous remportions des trophées durant cette période-là? Là, c'est le vrai problème. En ce qui concerne le cas de Zambo Anguissa. Là, c'est des vrais problèmes qu'il faudrait qu'on se pose. En 2014, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir une équipe. Que ce soit en avant, en attaque, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit niveau défense, que ce soit niveau gardien. Nous avons tous ces joueurs-là en place. Mais est-ce que nous avons remporté ces coupes? Ça, c'est une des générations. En 2022, aujourd'hui, le Cameroun a joué les barrages de la Coupe du Monde face à l'Algérie. Zambo Anguissa a simulé. Moi, particulièrement, je le savais que ça, c'était une façon de simuler. Heureusement que Mouminga était vraiment blessé à cette époque. À cette époque-là, vraiment, il était blessé. Mais le cas de Zambo Anguissa, il n'était pas blessé. Je suis sûr que c'était juste une simulation. Ou alors, il pourrait se cacher quelque chose derrière cela par rapport à la sortie de son président de club-là. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, alors c'était une simulation pour faire parler du cas de Zambo Anguissa. Et par la suite, on a constaté que quoi, Naples a acheté Zambo Anguissa. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Ça, c'est une information que je suis en train de vous faire voir comme ceci. Pour son cas de Zambo Anguissa, aujourd'hui, si nous enlevons Zambo Anguissa au milieu de terrain, qui peut le remplacer à l'heure actuelle? Il faudrait qu'on se dise la vérité, qui peut le remplacer à l'heure actuelle? Moi, je dirais personne. Moi, je dirais personne. Mais ceux qui sont là, s'ils ont la conviction, l'amour de vouloir mouiller le maillot, laissez-moi vous dire que les objectifs du président de l'Africa Foot vont être atteints. Si ces gens qui sont à l'heure actuelle, qui vont être sélectionnés pour représenter le Qatar, je ne dis pas que ce n'est pas parce que Il ne fait pas figure dans la présélection de Rigobert Song, que d'ailleurs, il va donner un point de presse lundi. Donc, il y aura un point de presse, je ne dis pas une conférence de presse, je dis un point de presse. C'est une différence qu'il faudrait prendre en compte. Zambo Anguissa, à l'heure actuelle, qui peut le remplacer? Maintenant, la seule chose, comme je parlais des générations 2014, auxquelles nous avons tout l'effectif, et en 2021, auxquelles nous n'avons pas d'effectif, mais je pense qu'en 2022, si les gars ont l'amour de vouloir jouer pour le pays, je ne vais pas vous mentir que cet amour, cette haine, cette puissance-là va faire en sorte que nous remportons la Coupe du Monde. Ça, je n'en doute pas. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Raison pour laquelle le président Samuel Eto'o avait dit que personne n'a sa place assurée dans cette équipe. D'où il est en train de préparer d'autres jeunes. Regardez, constatez la moyenne d'âge. Comme moi, je dis toujours, je parle de la moyenne d'âge dans cette équipe est de 24 ans. Il y a les 22 ans, les 18 ans, les 21 ans, les 27 ans. Vous additionnez et vous divisez, vous allez trouver la moyenne d'âge de cette équipe. Si nous enlevons le cas de Zambo Anguissa, si les gars se concentrent, l'effectif qu'a à sa disposition, la FECAFOOT, je ne parle même pas du président, je parle de la FECAFOOT, je parle de tout le staff technique. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Zambo Anguissa était vraiment pertinent face à la Côte d'Ivoire. Après cela, il n'était plus pertinent. À la CAN, nous avons vu un milieu de terrain qui passait son temps à jouer derrière, qui ne se projetait pas
de l'avant. Son problème se passait tout de derrière. Raison pour laquelle je n'aime pas trop employer ce terme technique offensif ou que j'aime parler de façon bas la terre pour que nous puissions bien comprendre la valeur et l'importance des anguissas au décrément de certaines choses, au décrément de son comportement. Lui peut aller au banc. Nous pouvons faire sans lui, mais nous ne voulons pas prendre le risque en disant que parce que d'autres... Non. Nous allons essayer de mettre cette arrogance en avant. Nous n'allons pas essayer de nous comporter comme ces vieux-là, si je peux le dire, ces vieux ainsi qui ne veulent pas laisser, entre guillemets, le pouvoir à la place aux jeunes. Ça, c'est une façon de voir les choses. Bref, je ne voudrais pas être très, très long dans cette vidéo. Ça, c'était mon avis personnel pour tous ceux-là qui ont vraiment compris et pour tous ceux-là qui veulent ajouter quelque chose. Je vous attends dans l'espace commentaire. Bref, là, je vais terminer pour tous ceux-là qui ont aimé la vidéo. Comme d'hab, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.